Exercice de prélecture. Encore une bêtise de petit Paul. Qu'a-t-il pu encore faire cette fois-ci? À toi de le deviner en lisant ce que j'écris. Je commence toujours par écrire en haut de la feuille, à gauche. Il a, il a, qu'a-t-il fait? Ceci est un C. Parfois, il fait ce, et parfois, comme bruit, il se prononce que. Et cette fois-ci, ça va être que, comme dans Carole. Il a que. Qu'a. Il a qu'a. Il a qu'a. Ce. Non. Je vais mettre un accent aigu, une casquette qui monte. Cela ne fera plus « ce », mais « c ». Ça ne fera plus « e », mais « e ». Il a cassé. Qu'a-t-il cassé encore cet affreux joujou? Il a cassé. Le. Mu. Il a cassé le. Mu. Re. Il a cassé le mur. Et oui, petit Paul a lancé très fortement une boule en métal, une boule de pétanque dans le mur. Un mur, c'est fragile. On peut y lancer un ballon, y jouer au ballon, mais pas avec une boule de pétanque. Veux-tu voir le mur abîmé par Petit Paul? Je vais te le montrer. Le mur est fendillé. Nous nous dirigeons vers le mur cassé par Petit Paul. Tu vois la cassure le long du mur? Eh bien, c'est Petit Paul qui l'a faite en lançant dessus une grosse boule en métal. Quel affreux joujou ce Petit Paul! Bouh!